an outlandish horde. Come, friends. I've fresh caught leeches today. That's my a fun that man. Damn! Long him! Won't get away! Master! Ah! Get the bastardo! Keep back up! You are I not getting through me! Ha! Bounce right off me! That's not possible. This can't be. Hold on. That's computer code. Let me compile it. Oh, shit. It's an encrypted file. Upload it to my computer. I'm a master at decryption. I can't. It's only compatible with the Animus itself. Upload it to Desmond, then. I can't believe this. Hello, this is... They call me Subject 16. Listen, I don't have much time. There's something that I have to show you. We have been lied to this whole time. Everything we know, everything we've been brought up to believe, it's wrong. Okay, I've uploaded the evidence, the file that proves it all. But I've split it into 20 pieces and locked each with a code. Can't be too careful. Queen Isabella. No, not her. What century is it? Never mind. I've hidden the code to the first file inside this program. Find it. Find them all. And along the way, you'll begin to see the truth. What the heck? How did this get inside our Animus? Oh, the memory core. We transferred 16's memory data from Abstergo into the Animus 2.0. He must have hacked the machine when Vidic left him alone between sessions. Oh, hold on, wait a second. The signs on the walls in Abstergo, the ones written in blood, those were clues. He was telling us to look for them inside the Animus. Thank you.
this has got something to do with those red words. I've got it. Apples. You were gone for quite a while. Leonardo likes to talk. That he does. But I trust he did more than talk. I've given you the skills. Leonardo's given you the blade. All that remains is the deed. Where can I find Uberto? According to my girls, he'll be attending an unveiling tonight of Verrocchio's latest work. It will be held at the Santa Croce Cloister. Watch over my mother and sister while I'm away. Of course, Ezio. As if they were my own. Again with this? You have overstepped your bounds, Uberto. Who are you to speak of bounds? You, who have crowned yourself Lorenzo di Medici, Principe of Firenze. I've done no such thing. Of course not. Ever innocent. How convenient. At least now, we see how far your reach extends, which is to say, nowhere at all. It has proved a valuable lesson for me and my allies. Yes. Your allies, the Pazzi.
Is that what this is about? Be careful with your words, Lorenzo. You might attract the wrong sort of attention. Do you require a medical assistance? Scusi, but I too need to eat, bello. Where's that one? There's it. There he is, Laju! Good evening, Gonfaloniere. To you as well. I trust you're enjoying yourselves. Indeed, a nice distraction from that nasty business with the Auditore family. And to think I once thought of Giovanni as a brother. Don't blame yourself. How could you have known what evils he planned? I say we strike that traitor's name from the record books. Let history forget he ever even existed. Yes, I should. If you'll excuse me for a moment. Uberto, a moment of your time? Anything for you, Beatrice. So, tell us, how does it feel? You! Done the same to save the ones you love. Yes, I would, and I have. The Auditorio are not dead. I'm still here. Me, Ezio, Ezio Auditore. Vergogna! Assassino!
You! Guide it! Die! Fine! Stop her! Nice try! The past. A vast web of connections and interconnections, all ruled by chance. Or is it? I want no part of this. Oh, Jesus. The Lord is my shepherd. The Lord. I want no part of this. Does there something ail you, friend? That should heal quickly now. Santa Croce, please preserve me! Madness! That man. Sorry.
Don't hurt me! I am a somewhat simple woman. I think it's best I leave Firenze. Where will you go? My uncle Mario owns a villa near Monteregioni. You're still a wanted man, Ezio. What would you have me do then? I've seen posters all across the district. Tearing them down will help the city forget your face. No doubt the heralds also incite the public. Bribe them, and they'll speak of other things. Or you could hunt those who bear false witness against you. They traded dignity for coin. Their loss would not be mourned. Do any of these things, and you should be free to leave. I've added a program for tracking notoriety. This little meter will help you know how far you are between notorious and incognito. This will help you know if you should watch your actions. It'll also tell you if the notoriety level is part of Ezio's memory or not. Now where is he from? Die, bastardo! Not get off so easy. For shame! End of the road. No passage for you. I see him! Steady clear! Which part of removed tech? Let you get out! Don't hurt me, please! Forgive me, sir. I meant no offense. I suppose I should find a way to stay in shape, too. Hey, that's something audacious. Madre Santa! Che orrore! Bentornato, Ezio. Were you successful? Yes. Madre? Ezio! Where have you been? They wouldn't let us leave. And Mother, oh, she hasn't spoken a single word since we left the house. Father will need to sort things out. Where is Father? And Federico? And Bertuccio? Hmm? Something's happened. What do you mean? No. It's impossible. Claudia. No, 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 no. I did everything I could, Piccina. Listen, right now what matters is getting us all someplace safe. But to do that, I need you to stay focused. Do you understand? Good. Will you watch over Mother for me?
Then we are ready. Thank you again for everything. Stay safe, Ezio. Stay vigilant. I suspect the road ahead is yet long. Follow my lead. Salute! E come sta Vincenzo? Here comes Stay close. Now that's more like it. That's more like it. Now that's more like it. Now that's more like it. That's more like it. My lucky. Andiamo. Give them something to think about. Lo faresti rizzare anche un morto! Hold tight. Mi metti il diavolo in corpo, Bella! All right, this way. Questa sì che è una femmina! Seguimi. Go. How could this have happened to us? I don't know. Will we ever be back? I don't know. Seguimi. What will happen to our house? I don't know. Were they given a proper burial? Yes, they were.
should be close. Grazie a Dio. All right, this way. Buongiorno, Ezio. How could you leave a Firenze without saying a proper goodbye? Ezio! What do you want, Vieri? So many things. A larger palazzo, two new steeds, a prettier bride. Oh, and yes, your life. My condolences for the loss of your father and brothers. What will happen now that there's no one left to help you? I have such wonderful things in store for your mother and sister. I grow tired of this game. Finish him, and do not spare the women. What sorcery is this? Not sorcery, boy. Skill. Show yourself. As you wish. Here, use this. Kill them! Kill them all! You have my thanks. Keep the sword, Ezio. Do I know you from somewhere? Don't you recognize me? It's a me, Mario! Uncle Mario? It's been too long, Nipote. Far too long. I heard what happened in Firenze. Terrible. Come, let's get you all away from here. Alors, raconte-moi toute l'histoire. Ils ont exécuté mon père pour trahison. Puis Federico et Petruccio aussi. Maintenant, ils me cherchent. Sais-tu pourquoi? Je l'ignore, à vrai dire. Mais je détiens une liste de noms pris à un homme qui voulait me tuer. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts. Sois fort. La vérité finira par éclater. J'aimerais partager votre optimisme. Allez, encore un effort. Nous y sommes presque. Je suis certain que Monteriggioni te plaira. Je croyais que Monteriggioni et Florence étaient rivales. C'est le cas. Mais l'an prochain, elles seront alliées, à n'en pas douter. Puis d'autres querelles éclateront, et ainsi de suite. J'ai un peu de mal à suivre, parfois. Tous ici sont d'honnêtes gens, qui travaillent dur. Les biens que nous produisons ne sont pas très élaborés, mais bien conçus, et aussi très fiables. Et nous avons notre propre chapelle. Je reconnais que le prêtre est un brave homme, mais pour ne rien te cacher, je n'ai jamais été un fervent croyant. Tu savais que la Villa Auditore a pratiquement 200 ans? Elle a été construite par mon arrière-grand-père, un homme étrange, détenteur de nombreux secrets. Qui sait, tu en découvriras peut-être quelques-uns si tu regardes bien ce qui t'entoure. Malheureusement, les guerres incessantes ont transformé cet endroit. Ce n'est plus le havre de paix que j'ai connu jadis. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je n'ai ni le temps ni les moyens de tenter quoi que ce soit. Ainsi va la vie, pas vrai?
Nous y sommes. Casa dolce casa. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je suis sans voix, mon oncle. La villa a connu des jours meilleurs. Si seulement j'étais moins occupé, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve son allure d'antan. La visite est terminée, Ezio. Tu devrais te procurer de quoi t'équiper. Rends-toi au marché, mes hommes t'y attendent. Quand tu en auras terminé, nous pourrons enfin nous mettre au travail. Au travail? Comment ça? Tu es bienvenu ici pour t'entraîner. Ne vous méprenez pas. Je devais fuir Florence et maintenant... j'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri. As-tu pensé à ton père? Il voudrait que tu finisses ce qu'il a commencé. Que voulez-vous dire? Mon père était banquier. Attends, il ne t'a rien dit? Je ne vous suis pas. De quoi parlez-vous? Mais où avais-tu la tête, Giovanni? Bon, je ne sais pas par où commencer. Va t'équiper au marché. Cela me donnera le temps de réfléchir. Mais... ne discute pas. Nous bavarderons plus tard. Prends cet argent. Tu en auras besoin. Et si jamais tu voulais te reposer un peu, j'ai fait préparer une chambre pour toi, au dernier étage de la villa. Et acquérir des articles de qualité à un prix abordable. Parlez de moi à vos amis. –
À votre service. Je peux soigner. En cas de besoin, je suis là. Venez, venez, ne soyez pas timide. Nos articles sont fabriqués dans les meilleures formes. Ça va aller. Nous ne resterons pas ici très longtemps. Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer à la maison. Je sais. Salut, t'es mon oncle. Je suis de retour. Tu n'as pas traîné, je te félicite. Bien, il est grand temps que tu apprennes à te battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller? Très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Très bien. Tu sais manier l'épée, cela ne fait aucun doute. Mais l'attaque seule ne garantit jamais la victoire. Tu dois résister et donc te défendre. Je vais t'apprendre à esquiver. Vous disiez que mon père n'était pas un simple banquier ? Inutile de tergiverser, je suppose. Ezio. Ton père était un assassin. Vous le savez aussi bien que moi. Mon père était dans les affaires. Bene, je t'ai montré comment esquiver les coups de tes adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre eux. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. Pas plus que des messages codés sur un vieux parchemin. C'est à ça que tu penses? Qui vous en a parlé? Tu portes l'épée de ton père. Alors j'en déduis que tu es également en possession de la palette. Du codex? Oui, un manuscrit décrivant le fonctionnement interne de l'ordre. Ses origines, sa vocation, sa technique. Notre credo, si tu préfères. Ton père a montré que le codex renfermait un puissant secret. Un secret capable de changer la face du monde. C'est probablement pour ça qu'ils l'ont arrêté. Assassin, templier, page de codex? Ça fait quand même beaucoup. Tu dois ouvrir ton esprit, Ezio. N'oublie jamais ceci. Rien n'est vrai. Tout est permis. Plus vite! J'ai rendez-vous, gars. Tu as peur? Tu progresses vite, Ezio. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils qui t'aideront à te placer correctement lors d'un combat. Ta position et ta façon de te déplacer peuvent faire la différence. Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de fouiller dans ma bibliothèque? J'espère que tu me crois, maintenant. Oui. Mon père était un assassin. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Les Templiers, ça t'évoque quelque chose? C'est un ordre de chevaliers fondé à l'époque des Croisades. D'après les livres d'histoire, il a été officiellement dissous il y a environ 200 ans en France. Mais la réalité est autre.
S'ils ont été contraints d'œuvrer dans l'ombre, leurs vives activités n'ont jamais cessé. Que veulent-ils? Les Templiers veulent maintenir l'humanité sous leur domination. Et nous, les assassins, avons prêté serment de les en empêcher. Roberto est-elle un d'eux? Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien. Alors, tu as changé d'avis? Nous partons pour l'Espagne, dans 3 jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'ils me trouvent, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort? Renier ton héritage? Soit, va-t'en. Arrivederci et buona fortuna. Non, attendez, il a l'air contrarié. Cela te surprend. Vieri nous harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai dire. Il a de qui tenir. Mon oncle? Mais où sont-ils tous? Partis à San Gimignano pour tuer ce serpent de Vieri. J'aimerais tant les rejoindre. Tu trouveras ce qu'il te faut aux écuries. Regarde-la, Ezio. Elle refuse toujours de parler. Elle passe ses jours et ses nuits devant les plumes que Petruccio collectionnait. Elle n'a pas accepté sa mort. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas. Elle va se reprendre. J'en suis persuadé.
meilleur équipement dans le monde. Ezio, que viens-tu faire ici? Simplement mon devoir. Vieri s'en prend à vous à cause de moi. Vieri s'en prend à nous car c'est un Templier et que nous sommes des assassins. Peu importe, je veux vous aider. Va bene. Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vieri a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande et son armée réduite. La porte sud est moins bien gardée, et c'est là que nous frapperons. Très bien, Ezio. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. À l'attaque ! Thank you.
Bien joué, Ezio. On y est. Suivez-moi. Je veux que tu attires l'attention des gardes et que tu les empêches de donner l'alerte. Ça me permettra de gagner du temps pour trouver Vieri et l'éliminer. Va bene. Ezio, attends. Emmène quelques hommes avec toi. C'est plus sûr. Retrouve-moi quand tu en auras terminé. Que prépare Vieri au juste? Ben. Va savoir. Mais il y a quelque chose qui l'inquiète. Sinon, pourquoi toutes ces patrouilles? Et je vous referai un signe pour... Venez. Et voilà cantonné au rôle de garde. Pourquoi? Il a encore fait des siennes, je parie. Il s'est mis tout le monde à dos. Et maintenant, on en subit les conséquences. Tais-toi! Je ne tiens pas à connaître le même sort que ce pauvre Bernard. Moi non plus. Vieri lui a arraché les yeux. Moi, je veux garder les miens. Alors, parlons d'autre chose. Oh. Ah. Mon Dieu! Il va se tuer ici! Il fait n'importe quoi! Les saltimbanques, ils sont tous fous! Tous! Ezio, ton oncle est attaqué, il a besoin d'aide. Va le trouver. Montrez-le, vous savez du coup. Parfaites-toi. Arrête, je te vois là. Mon plan ne sait pas exactement dérouler comme ça. C'est comme le monde. Et vous nous avons pu nous donner la tête. Mes frères et moi, nous allons nous occuper de cela. Quant à toi, je veux que tu mettes la main sur ce serpent de vierge et que justice soit faite. Trouver de nouveaux fournisseurs. Toutes les économies que j'ai réalisées, c'est vous qui en bénéficiez. C'est réglé. Vieri, vous resterez ici pour coordonner l'assaut des mercenaires.
Francesco déploiera nos forces dans la cité et nous dira à quel moment nous pourrons frapper. Jacopo, je compte sur vous pour rassurer les citoyens quand ce sera terminé. Et ce soulard de Mario. Il continue de narguer nos soldats. Il finira par découvrir ce que nous préparons. Il a toujours posé problème. Tout comme son frère, ce bastardo. Dans ce cas, père, laissez-moi les réunir. Nous aurons tout le loisir d'éliminer ces misérables quand ce sera terminé. Bien. Y a-t-il autre chose? Oui, bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Puisse le père de la sagesse vous guider. Comandante! Comandante! Quoi? Mario Auditore est dans la cité! C'est vous qu'il cherche! Alors ne le faisons pas attendre. Un homme étonnant, d'une grande noblesse. Tuez-le! N'aie voilà, pas peur, voilà, Ezio, ta mort sera rapide, j'y veillerai. Prépare quelque chose avec tes alliés. Et mon père avait tout découvert. C'est pour ça qu'il est mort ? Pauvre fou. Tu espérais peut-être une confession ? Pezzo di merda ! J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends ? J'espère que tu... Arrête, Ezio. Un peu de respect. Du respect ? Après ce qu'il nous a fait ?
Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égards? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Que la mort t'apporte le repos auquel tu aspires. Requiescat in pace. Prends-la. Tu la liras plus tard. Notre mission est terminée. Il faut rentrer à la villa. Il est de retour, notre campione, Ezio. Gloire à Ezio! Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Vieri est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes! Ah, enfin! On va pouvoir boire jusqu'à plus soif! À nous, les femmes! Eh, c'est vrai! Viens, Ezio, marchons. Mon oncle? Les Pazzi obéissent à un homme. Un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui, et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. Les Pazzi obéissent à un homme. Un Espagnol. Son nom est Rodrigo Borgia. C'est l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui. Et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller? À Florence. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien. Assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que... Tu les reconnais? D'autres pages du Codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il ?
Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin, qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc ? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene. Rapporte-la-moi, elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Dio beato, il bizarre. Un pari stupide, ou alors il est ivre.
je suis votre ami. Pourquoi vous prêtez de la sorte? J'ai rêvé ou quoi? J'aurais bien besoin de repos. Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si Père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui est en trop finira dans ma poche. Capito? Compris.
Buongiorno. Est-ce que tout va bien? Ser Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors tout deviendrait possible. Vous devez être Ser Ezio. Je me trompe? Mon oncle, cet architecte me plaît beaucoup. Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de l'argent. Il m'en faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des échoppes. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Ser Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs, et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Bon voyage! Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose. Voici la crypte. Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté, chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerai bien, mais je ne sais pas comment faire. Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout en Italie, et de tombeaux remplis de trésors où les 6 assassins auraient été déplacés il y a des siècles. Qui sait, il y a peut-être un rapport. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins, mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance. Si tu veux être parfaitement synchronisé avec Ezio, tu dois récupérer cette armure.
accrochez, mes amis. Une saignée chaque semaine. Ezio, tu es toujours en vie? Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces deux dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé, on dirait. Je suis venu solliciter ton aide, si tu es d'accord. Cela va sans dire, mon ami. Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Celle-ci est bien plus difficile à déchiffrer. Les langues anciennes, c'est vraiment très astucieux. Peut-être qu'il suffirait de... Oh, je vois. Cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Je peux voir? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois, ce ne sont pas des plombs, mais une série de croquis. À quoi peuvent-ils servir? Oh, bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que j'essaie ce qui est indiqué ici? Voilà. Mon assistant va installer quelques mannequins pour que tu puisses t'exercer. Hé, Vincenzo!
votre attention. Sous quinzaine, un groupe de mercenaires va établir son camp dans les champs situés au nord-ouest de la cité. J'ai réussi. Viens vite. Regarde. Tiens, essaie-le. Merci, Leonardo. Il n'y a pas de quoi. Avant de partir, je dois voir une connaissance. Mais je ne peux pas l'approcher en public. Tu aurais une idée? La volpe. Le renard? Chut. Je comprends. Mais sais-tu où est la tanière de ce renard? Eh bien, près du mercato, où vivent les voleurs. Sois prudent, mon ami. De proposer des articles d'excellente facture, à des prix raisonnables. Le marchand de vin qui a laissé son chariot devant chez Vito, le boucher, est prié de le déplacer avant le début de la production. Non, reculez. Garde. Il ne s'exécute pas. Laissez-moi travailler. Il y a de la fée. Un tueur. Un tueur en liberté. Allez, on va faire une erreur. Tout ce sang. Comment peut-on infliger ça à un être humain? Nous sommes brûlés en enfer, misérable chien. Alors là, incroyable. Vous vous croyez tout permis, c'est ça? Faut ça, vous allez finir. Mais que fait-il? Bon, pour cette fois, tu t'en tires avec un... J'en ai plus qu'assez. Je vais pas gâcher ma journée avec toi, Salvermine. Tu devrais rester à ta place. Qu'est-ce que ces paysans vont être aussi cruels? Crois qu'on s'est compris. Qu'est-ce que tu en penses, mon frère? J'avais l'impression qu'il était ici jusqu'à ce que je m'approche de lui et que je sente son odeur. Quoi? Avec tous ces étrangers qui vont et qui viennent. Je ne suis pas sûr. Dieu, mais
témoin. Cet homme est un menteur, doublé d'un escroc. Ah, j'ai connu des marchands de tapis plus honnêtes que toi. Quoi? Ma bourse, mon argent. Ton argent? Je ne l'ai pas, ton argent. Reviens ici. Non, toi, viens. Tu commets une grave erreur, mon ami. Bon, ça suffit. Si t'en as assez, alors... Je ne tiens vraiment pas à te faire du mal. Alors rends-moi mon argent et n'en parlons plus. Pas si vite. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? On m'a affublé de tous les noms. Meurtrier, égorgeur, voleur. Mais toi, tu peux m'appeler la Volpe. À votre service, Messer Ezio. Comment connais-tu mon nom? Rien de ce qui se passe dans cette ville ne m'échappe. C'est pour ça que tu es là, non? Exact. Je recherche quelqu'un. Je veux être informé de tous ses faits et gestes. Qui? Francesco De Pazzi. D'après la rumeur, une caravane en provenance de Rome vient tout juste d'arriver. Une rencontre secrète aura lieu ce soir à la tombée du jour. Si tu y assistes, tu apprendras peut-être où est Francesco. Sais-tu où cette rencontre se tiendra? Ah, bien sûr. Je t'y conduirai quand tu seras prêt. Fais-moi signe. Ah, oui. Voici ton argent. Due saldi. Buona giornata. Pesce appena pescato, fresco di giornata. Buondì. Buongiorno, state bene? Suis-moi. Il ne faut surtout pas traîner. Tu seras à la hauteur? Ne t'inquiète pas pour moi.
qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de me suivre. Somme. Francesco De Pazzi va retrouver ses complices à l'intérieur de cette église. Comment vais-je entrer? Il y a des catacombes creusées partout sous la ville. Elles te conduiront à un endroit d'où tu pourras espionner leur conversation. Agrippe cette poignée, fais la pivoter et glisse là vers le bas. Merci de m'avoir aidé, Volpe. Buona fortuna.
Combien de temps on va devoir rester ici, Saverio? Il fait pas très chaud. De quoi tu te plains, Hilario? Mais Serpazzi nous paie grassement pour surveiller l'entrée. Et on n'a rien à craindre des morts. J'ai hâte de rentrer chez moi et de montrer à Hélène la petite fortune qu'on a empochée ce soir.
Merde. La porte. Reste aux aguets. Je vais jeter un coup d'œil. Moi qui croyais que ce serait de tout repos. Je te dis qu'on n'aurait jamais dû venir. Au moindre bruit, je fonce à l'autre poste de garde. Avec l'aide de Dieu. Il est là! Non, pas question! Saverio! Je vais revenir avec les autres gardes! Question de rester. C'est ici. Est-ce que vous le voilà? Arrêtez-le, bon sang! Je ne laisserai pas m'avoir. Oh non! Laissez-moi tranquille! Je crois que je suis tiré d'affaire. Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Plus vite! Nous sommes attaqués! Garde! Je suis poursuivi! Arrêtez-le!
Il est là. J'en ai déjà vu quelque part. Occupez-vous de lui. Il vous suffit d'attaquer au bon moment. Prenez-le à revers et finissons-en. N'oubliez pas ce qu'on vous a appris. Maintenant, restez en position, comme on vous l'a appris. Allez, viens. Cette fois-ci... Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos emane et sempre. Grazie, Padre. Bernardo. Tout est là. Épée, gourdin, hache, armure, arc. Nos hommes ne manqueront de rien. Dois-je en déduire que vous avez le consentement du pape? Il nous a accordé sa bénédiction, dans la mesure où personne n'est tué. Nous sommes prêts à nous rendre au dôme demain matin. Tout est en place, mais ça n'a pas été sans mal. Son idiot de frère ne cesse de changer ses plans. Ouais. Il faudra avant tout s'assurer que Giuliano ne traîne pas au lit et qu'il ira à l'église demain. Qu'y a-t-il, Jacopo? Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Impossible. Les Medici n'ont rien remarqué. Ils sont trop stupides ou trop arrogants. Ou un peu des deux. Ne sous-estimez pas nos ennemis, Francesco. Auriez-vous déjà oublié le sort qu'ils ont réservé à votre fils? Cette fois, rien ne viendra contrecarrer nos plans, maestro. Vous avez ma parole. Molto bene. Je dois vous laisser. Il se trouve que j'ai d'autres affaires à régler avant de rentrer à Rome. Messieurs, demain, une nouvelle ère s'ouvrira pour Florence. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Regardez cette statue. Il y a exactement la même dans la Villa Auditore. Je crois que tu as découvert l'un des tombeaux d'assassins dont parlait l'oncle d'Ezio. Maintenant qu'on sait comment entrer, je vais marquer chaque lieu qui renferme un tombeau dans la base.
Je sais où et quand je peux trouver Francesco. Mais... Qu'y a-t-il ? J'ai appris autre chose. Ils ont assez d'armes pour équiper une armée entière. Le pape lui-même les soutient. Sisto est incorrigible. Mais... qu'est-ce qu'il complote au juste ? Je n'ai pas bien compris tous les détails, mais cela concerne les Medici. Ils passeront à l'acte demain matin au dôme. Tous les Medici assisteront à l'office de dimanche. Et tout Florence sera là par la même occasion. Alors ils vont agir pendant la grand-messe, c'est évident! Voilà qui me donnera l'occasion de me mêler à la foule, de me rapprocher et d'arrêter cette folie. Si tu échoues, si Lorenzo est tué, alors Florence tombera aux mains des Pazzi. Ça n'arrivera pas, je te le promets. Puisses-tu seulement dire vrai? Une de ces nouvelles modes, je présume. Pas la peine de mon credo. Eh bien, il est devenu fou. Cette fois, tu t'en tires avec un qu'on nous a signalé des problèmes dans le monde. C'est un véritable champ qui se répand et détruit tout ce à quoi nous tenons. Je suis désolé, je m'en vais. Nous sommes une maison honnête, qui pratique des tarifs honnêtes.
Lorenzo est là, avec sa femme. Je vois Giuliano, le frère de Lorenzo. Mais où est Francesco? Le voilà. C'est le moment. Fred, voilà pour toi! Giuliano! Non! Oh, de grâce! Au nom de Dieu, pas de pitié pour toi! Tu n'es qu'un sale chien! Meurs! 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 Ta fin est proche, Lorenzo! Et tous les membres de ta famille périront bientôt par l'épée. J'y veillerai! Traître! Assassin! Je vais te tuer! Tu n'as que ce que tu mérites! Et maintenant, maintenant tu vas mourir! Je t'en prie, aide-moi!
Je t'en prie. Aide-moi. Tu vas rester planté là. Je vous en prie. Maintenant, celui qui est derrière tout ça doit payer. Pas maintenant. J'ai besoin d'aide. C'est moi. Je leur fais confiance. Peux-tu... Venez. Je perds beaucoup de sang. Tenez bon, signore. Je vais aussi vite que je peux. Francesco de Pazzi! Je suis peut-être habillé comme un noble, mais je n'en suis pas. J'aurais préféré éviter de me battre. Et au sein de tout le destin, on est décidé autrement. Restez calme, Signore. Ne vous fatiguez pas trop, je tiens à vous garder en vie. Nous y sommes presque. Merde, ne bougez pas. Je ne veux pas être mêlée à ça. Je ne veux pas être mêlée à ça. Allons-y. Pitié, je vous en prie. Laissez-moi tranquille. Fuis. Il faut fuir. Un meurtrier. Sainte mère de Dieu. Un meurtrier. Laissez-moi tranquille, j'ai rien fait, je vous assure. J'ai aussi de nombreux accessoires. Soyez les bienvenus. On va la voir. N'inquiète pas. Les amateurs d'art y trouveront leur bonheur. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Les pénitents en quelques absolus. J'aurais préféré éviter de battre. Ils sont tous les experts. On est décidé de prendre en mission. Je suis peut-être habillé comme un homme, mais je n'en suis pas moins capable de te couper la gorge. Il y a longtemps que je n'ai pas combattu. Espérons que je n'ai rien perdu de mon talent. J'aurais préféré... Bien, par ici. Et il semble que le destin en est décidé autrement. Tu ferais mieux de disparaître. Descends là tout de suite. Je suis peut-être habillé comme un noble, mais je n'en suis pas capable. Que je n'ai rien perdu de mes talents. J'aurais préféré éviter de me battre, mais il semble que le destin en ait décidé autrement. Je suis peut-être habillé comme un homme, mais je n'en suis pas moins capable de me couper la gorge. Il y a longtemps que je n'ai pas combattu. J'espère que je n'ai rien perdu de mes talents.
J'aurais préféré éviter de me battre, mais il semble que le destin en ait décidé autrement. En avant. Lorenzo est gravement blessé. Ouvrez-nous la porte! Quel est le mot de passe? Poliziano, ouvre cette maudite porte, tu entends? Dieu tout-puissant, entrez, entrez! La ville est à feu et à sang. Vite! Attends. Je te dois la vie. Dis-moi, pourquoi m'as-tu aidé? Vous n'êtes pas le seul à qui les Pazzi ont enlevé un frère. Je m'appelle Ezio Auditore. Ah. Tu es le fils de Giovanni. Ton père était un homme bon. C'était un homme d'honneur. Un homme loyal. Les hommes des Pazzi prennent d'assaut le palais de la Seigneurie! On ne pourra pas les repousser très longtemps! Non! S'ils parviennent à entrer, ils exécuteront nos partisans et les conjurés prendront le pouvoir! Et j'aurais survécu pour rien. Il faut que... Francesco De Pazzi! Va sauver notre cité, Auditore. Tue-le!